C'est beau. J'ai l'impression que c'est un fond d'écran. Voilà. J'ai l'impression que c'est un fond d'écran de PC animé. Oh non, Marcus! Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, attendez, je vais analyser l'arborescence quand même. Marcus, Marcus! Ok, c'est tout petit. Pompe à régulation de la thyrium. Système en mode économie d'énergie défectueux. Ah ouais. Composant de jambes gauche et droite. Disparu, ne peut pas se tenir debout. Unité optique, vision défectueuse, palais mental endommagé. Processeur audio, données audio endommagées. Bah ouais, j'entends bien ça, ouais. Remplacer les jambes. Wow. Terminator. Composant de jambe droite compatible. Oh. Incroyable. Composant de jambe droite, statue endommagée incompatible. Ouais, bah de toute façon, c'est une gauche qui me faut. Hein. Ah, s'il faut, il m'a dit un truc intéressant, mais bon, on n'entend pas. Composant de jambe gauche, compatible. On voit mon cœur, trop stylé. Voilà dans le jeu, mais les robots me dérangent pas. Le fait qu'il y ait des robots dans la vie de ça, c'est, je trouve pas ça. Voilà, tout va bien. Par contre, quand ils sont abîmés comme ça, là, ça me. Je sais pas. Là, c'est spécial, par contre. Du moment qu'ils vont bien, c'est bon, mais là, pété comme ça, là. Ça fait de l'effet, hein. Je sens qu'il va m'attraper celui-là là-haut, non? C'est sûr, il va tenter de m'attraper ou un truc. Je connais les jeux vidéo, moi je suis un pro. Et voilà. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jéricho! Trouve Jéricho! Oh! Intéressant, c'est une bonne information quand même. Enfin, on verra, hein. Mais ça a l'air. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils me laissent pas passer? Je suis un robot. Ils me laissent tranquille. Wow.
Aïe aïe aïe. La VOD, eh oui, écoutez, il y a eu un petit cut parce que le jeu un peu plus loin a crash et du coup j'ai essayé de faire le cut, voilà, à un endroit un peu plus précis bien sûr. Donc malheureusement, c'est fichu quoi, c'est fichu. Allez, on examine. Attention, qu'est-ce qu'on va trouver? J'ai besoin de 4 choses de mémoire, non pas 4 du coup maintenant, j'ai trouvé les jambes. Incompatible. C'était si inattendu, je le savais pas du tout, je l'ai pas du tout fait tout à l'heure. Oh là là, traitement des données, unité optique incompatible. Oh, il marche tout seul l'autre. Incroyable. Oi oi oi. Ok. Je vais pas le fouiller du coup, non, je peux pas. J'aimerais bien examiner un max. Oh, pompe à régulation à thyrium, compatible. Oh mon dieu, excusez-moi, je m'y attendais pas du tout. Allez, j'épargne. En tout cas, j'espère que je vais pas mourir à cause de ça. Bien sûr. Là, ça, je ne le sais pas. Normalement, bon, je pense pas, mais... J'espère que comme j'ai dit non, je vais pas mourir. Je pense qu'un autre androïde aura ce qu'il faut. Processeur audio compatible, ouais. On va enfin récupérer du son en 32 bits. Aeris. Ah. Nickel. Bon, sachez deux choses. Déjà, j'avais pas fait ça dans cet ordre-là, forcément. En fait, j'étais à la fin. Waouh. Oh, damn, le bruit. Et j'avais fini par l'audio, et c'est quand j'ai commencé à m'occuper de lui que ça... Enfin, crash, quoi. Quand j'ai commencé à mettre ma main sur lui. Donc voilà, c'est un peu la déception, quoi. Quelle déception ce fut pour tes parents. Pour ceux qui ont la référence, j'espère que ça vous fait plaisir. Unité optique compatible. Ouais. Bonjour. Au revoir. Je suis un androïde AK-700. Ça ne m'intéresse pas. J'ai été conçu pour vous servir. Que puis-je faire, Chris? Mon programme a détecté une anomalie. Veuillez contacter le centre de maintenance Cyberman le plus proche. La vision, le plus important évidemment, puisque grâce à ça, voilà. Eh bien, je vais pouvoir enfin analyser ce qu'il y a dans mon environnement. Et ça, ça fait plaisir. Ça, j'imagine que c'est la sortie. Et ce qui est rigolo, c'est le fait de voir que il regarde directement la sortie dès qu'on trouve l'œil. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'avoir l'œil et le reste. Apparemment, le jeu s'en fout peut-être. Peut-être qu'on peut continuer l'aventure sans tout fouiller, quoi. Oh, il y en a un qui chante. Hein. Je crois que j'en entends un chanter. Pompe de régulation anti-rhum compatible, mais non. Oh, je savais même pas. Pour être honnête, je pensais qu'il allait falloir que j'utilise celle de l'autre, qu'au final j'ai décidé de la tuer, mais non, même pas. Oh, du génie. Écoutez, vous voyez, on découvre encore des choses malgré, la coupure. Vite, remets-le très vite, s'il te plaît. Avant que quelqu'un m'attaque, là. Condition stable, magnifique. J'entends des bruits bizarres. Gravir la pente. J'ai tout récupéré, mais non. Mais non, c'est pas possible, il reste au moins un ou deux trucs, là. Oh merde, on n'a pas tout vu, du coup. En fait, moi, sachez que je me suis pas dirigé, je savais pas. Hein. Voilà, la map de nuit, tout ça, j'avais pas fait attention. Bah, je connaissais pas par cœur, je connais pas. Et du coup, moi, je voulais... Bah là, on a raté des petits trucs, bon. Enfin, rien, on a rien raté du tout, hein, mais... C'est dommage. Hein. Donc j'ai refusé de tuer pour obtenir la pompe. Sympathique. En tout cas... Putain, j'ai pas pu tout... J'avais fait des trucs supplémentaires tout à l'heure. Oh, je suis vraiment dévasté là. Complètement dévasté.
On est un king. Je survivrai toujours et à tout jamais. J'ai deux couleurs d'yeux du coup. Bleu et vert. Oh, la gueule que j'ai là. Je suis complètement dévasté. Hein. L'important, j'étais stylé. J'espère que je vais redevenir stylé, quoi. Ah, ça va pas du tout. Hein. Oh, quoi? On peut vraiment faire ça? C'est pas possible. Merde. J'ai prévu qu'il y ait une suite. Et ça se voit ou... Est-ce qu'on voit quand même la mini-boss? Wouah, même pas. Là, je suis littéralement humain maintenant. Oh, c'est tellement bien fait, ils peuvent recréer de la peau quand ils veulent et tout. Oh, c'est incroyable. Je m'appelle Marcus. Karl nous avait dit de ne pas laisser aux autres le droit de nous dire qui on était. Bah voilà, je suis Marcus, hein, tout simplement. Marcus est revenu d'entre les morts. Bon, ça, il n'y avait pas le choix. Oh, c'est incroyable. Stat mondiale. Bah, il n'y a aucune stat. Bah oui, s'il n'y a pas de choix, forcément. 40% ont tué pour obtenir la pompe. En fait, il y a quand même 70% des personnes qui n'ont pas trouvé la pompe. Ils sont pas fait chier, quoi. Trouver une pompe sur un endroit de mort. Ouais. Et ouais, il y a 2-3 autres trucs que j'ai pas fait, c'est dommage. C'est en très 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 dommage. Marcus est revenu entre les morts, ouais. Bah écoutez, nickel, nickel. Oh, le jeu est tellement bien à jouer. Déjà qu'à regarder, je sais qu'il est pas mal. Mais alors, à jouer? Insane Dude. Trop bien. Meilleur jeu du monde. Non, non, non. Non, mais il fait partie vraiment de... Meilleur jeu, quand même, vraiment. Achetez-le si vous pouvez l'acheter. C'est la première fois de ma vie que je dis ça, mais... Voilà. Il y a des moments, quand c'est mérité, faut le faire, quoi. Puis, hey, plus vous l'achetez, plus Star Wars Eclipse, il sera bien quand il sortira. Bon, on sera certainement quasiment tous morts avant que Star Wars Eclipse sorte. S'il sort en 2026 ou 2028, mais... Bon... Attention, hein, n'oubliez pas 2027-2028. Detroit Become Human, c'était en 2038. Est-ce qu'ils vont refaire un Detroit Become Human 2 enfin, du coup, Detroit Become Robot en 2038, à la date du jeu. Intéressant. Intéressant. Non. Évidemment, je pense que c'est faux. Bon, allez. Hein. Gros bisous maintenant. Terminez les bêtises.